Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amand. Bonjour mademoiselle. Bonjour à tous. Bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous. Salut. Bonjour Patrick Sébastien, qu'est-ce qui vous amène? Ouais, alors tu sais, j'ai vu La vie pour de vrai. Oui. J'ai adoré l'idée. Oui. L'histoire d'un mec qui a passé toute sa vie dans un Club Med et qui découvre le monde du dehors à 50 ans. Mm-hmm. C'est génial, putain, c'est que de l'amour. Ouais. D'ailleurs, ça m'a donné une idée de film qui pourrait s'appeler Le Vie pour de vrai. Je crains de pire. Ça raconterait quoi? C'est l'histoire d'un mec qui a passé toute sa vie au Cap d'Agde et qui, comme Danny Boone, monte à Paris pour la première fois à 50 balais, la zigounette à l'air. Ça t'intéresse, mon Danny? Non, c'est gentil, Patrick, mais j'ai pas très envie de jouer tout nu. Et toi, Kat, ça te tente? C'est pile pour toi, t'es déjà chaud avec un col roulé. Non, merci Patrick. Merci. Bref. Faut arriver. C'est dommage. J'aurais dû lire les textes avant. Toujours. C'est dommage parce que j'ai aussi écrit une adaptation de Bienvenue chez les Ch'tis. Ah. J'ai appelé Bienvenue chez les Ch'tis. C'est l'histoire d'un mec qui a passé toute sa vie dans le Nord, qui se fait muter au Cap d'Agde et qui doit apprendre à vivre la zigounette à l'air. Ça t'intéresse pas non plus? Non, non, Patrick, désolé, j'ai pas envie de montrer ma fricadelle. Ah, et toi, mon cadre, rassure-moi, tu vas pas tourner avec des pléchins, putain. Non. C'est pas grave, je vais le jouer moi-même. Et comme maintenant la radio s'est filmée, c'est génial, je vais vous faire une démonstration, parce que le Cap d'Agde, c'est que de l'amour. Bah merci, Patrick, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Pascal Pro. Qu'y a-t-il au menu des auditeurs? Ont la parole à midi sur RTL. Vous savez que cette émission est objective et équilibrée. Je poserai donc cette question aux auditeurs. Emmanuel Macron est-il nul, archi nul ou totalement nul? Et pour y répondre, nous avons John Kevin qui nous appelle de Roubaix. Hein? Bonjour monsieur Pro. Moi ce que je veux dire c'est que non, je m'en fous de la politique, hein, et tout y taquendo là. Moi je vous ai appelé pour savoir quoi qu'il y a dans la valise RTL. Des fois que monsieur Riquet il m'appelle quoi. Ce n'est pas tout à fait l'actualité, mais je peux quand même vous dire que dans la valise RTL, il y a une caisse de vin volée à Christine Bravo et le régime masseur de Bernard Mabie. Mais revenons plutôt à mon émission d'information sérieuse et de qualité avec Patoche, qui nous appelle de l'île de Chupacabra et qui souhaite réagir à l'inflation. Oui, allô, bonjour, c'est un scandale. C'est un scandale l'inflation, monsieur Pro. 51 plus 51, ça fait combien? 102. Eh ben voilà. Mon pastaga, écoute, deux fois moins cher et plus cher, pardon. Faut que j'apprenne à lire, putain. Coûte deux fois plus cher et ça me fait pas 102 dans le verre pour autant. Rappelons que l'alcool est à consommer avec modération. Quelle modération? Quelle modération? L'alcool, c'est pas cool. L'alcool, c'est cool. Il y a écrit col, cool. Dans... Putain, merde. On peut plus. Attends. Y a pas... On enregistre. On enregistre, c'est bon, là. On pourra couper ça. Il n'y a pas... Il n'y a pas écrit cool dans l'alcool, peut-être. Bien, je préfère encore aller animer mon émission L'heure des pros sur CNews en compagnie de mes deux joyeux chroniqueurs, Michel Sardou. Bonjour Michel. Ça me fait chier la joie. Et toujours plein d'allégresse, Daniel Guichard. L'allégresse. Et dire que la France, elle est foutue et qu'on l'aura toujours dans le cul. On est foutus. Je vous en prie, sauvez-moi. Dany et Kat, dans La vie pour de vrai, votre prochain film sorti le 19 avril, vous jouez avec l'irrésistible Charlotte Gainsbourg. Ah, je crois bien que nous avons un invité venu de très haut. Ouais, c'est moi, Gainsbourg. T'as du feu, ma petite cocotte? Non, toujours pas. Au paradis, il n'y a pas de flamme, j'aurais préféré aller en enfer. Ben oui, mais désolé, Serge, mais sur Terre, on n'a plus le droit de fumer à l'intérieur. Chier, merde! Alors, elle n'est pas là, ma petite Charlotte aux pommes, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, petite cocotte. C'est ma, je le dis, c'est ma plus belle création. Faut dire que je me suis appliqué. Putain, j'ai limé. Oui, Serge, vous savez qu'on est en 2023, on ne peut plus dire ce genre de choses. Je vais finir, merde. J'ai limé les barreaux de son lit de bébé pour laisser s'échapper mon enfant, ma beauté. Mon œuvre à présent au firmament du ciné. Les initiales bébé, éclipsées par CG. C'est classieux, petit 4 ans, c'est pas du tout. Oui, c'est classieux, c'est beau, Serge. Mais dans La vie pour de vrai, le personnage joué par Danny Boone est amoureux de Charlotte. C'est un bon petit gars, Danny. Il me ressemble un peu. Il boit pas, il fume pas. Putain, il doit se faire chier. Non, mais la ressemblance au niveau des Portugaises, elles sont comme les miennes, en feuilles de chou. Si j'aime ça, c'est un motif.
Alors profitons de la présence de Kad Merad pour relancer ce jeu culte qu'il a inventé avec son camarade Olivier Barou, le fameux Camoulox dans Cadet. Camoulox. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats. À droite, Philippe. Bonjour, je m'appelle Philippe Joly de Villiers. Je suis intermittent du spectacle au Puy du Fou et je n'aime ni le couscous ni l'Europe de Maastricht. Vous avez un hobby? Ouais, la chevalerie, mon joie, Saint-Denis. Va me sceller mon cheval, la gueuse. Que j'aille bouter les enturbanés au péage de Saint-Arnoul. Plus tard, Philippe. À côté de vous, Roger Pierre. Oui, bonjour. Bonsoir, je m'appelle Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Vous êtes deux? Non, non, mon prénom c'est Roger Pierre et mon nom de famille c'est Jean-Marc Thibault. Bien. Que faites-vous dans la vie, Roger Pierre? Alors, je suis videur de moules. Les coquillages? Non, 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 les moules à gâteau. Ah, vous êtes marié? Oui. Avec ma femme, Stone. Et Chardin. Bon, le jeu n'a pas commencé, Philippe. C'est Roger Pierre qui prend la main, passe au double ou Yves Calvi? Alors, je caresse la moustache d'Arlette Chabot, qui est la tante d'Hervé Villard. Je contre, les papas ne sont pas des mamans, et inversement. Bien joué, Philippe. Je tente le Zemmour en slip de bain pour diriger la France. Oui, mais vous tombez à 7% et vous reculez de 2 cases. Ah, c'est dur avec mon armure. Camoulox ! Bravo Roger Pierre, vous avez gagné le dernier ouvrage de Michel Houellebecq et Michel Onfray, Déclinissime et Joie de vivre. Avant de recevoir nos invités du jour, nous avons bien entendu fouillé nos archives secrètes et cher Dany, nous avons retrouvé votre tout premier passage télé. Ah bon ? C'était dans l'école des fans de Jacques Martin. Bienvenue au Théâtre de l'Empire pour cette école des fans. Et bonjour à toi, mon petit bonhomme. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dany. Dany, c'est joli comme prénom. Et d'où tu viens, Dany, avec ton air ahuri, ton cornet de frites? Je viens d'Armentières, dans le Nord. Armentières! Je connais bien Armentières. Il y a une boulangerie et une église là-bas, pas vrai? Non, la boulangerie elle a fermé et l'église elle est écroulée. Et parce que le curé s'est pendu avec le boulanger. Comme c'est pittoresque. Il paraît qu'il y a aussi des métiers à tisser arrêtés et des socialistes partout. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais bien faire des films avec mon copain Kad d'Ange Nord. Alors crois-moi, mon petit bonhomme, dans le Nord, avec Kad, ça marchera jamais. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Dany? Petit caca. Le petit caca. Sous vos applaudissements, nous t'écoutons. Dans ma petite caca, ma petite pouchin, ma gronja, ça me fait du chagrin, chez Thunder.Scottman. Elle a tourné avec Dany Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis et Une belle course, elle a affirmé le considérer comme son fils de cœur. On accueille maintenant Lynn Renaud. Bonjour Lynn. Bonjour à tous. J'étais dans le quartier avec ma panhard. Parce que j'ai rendez-vous dans une heure à l'Élysée pour faire une séance de pilates avec Brigitte Macron. Alors, je me suis dit que j'allais venir faire un petit bisou aux gamins. Comment va ma chérie Biloute? Oui, ça va bien ma Linette, mais non, mais vas-y mollo avec le pilate, là, t'as 94 ans quand même. T'inquiète pas mon bonhomme, je suis venu en vélo après avoir fait une heure d'aquagym, je pète le feu. Alors excusez-moi Lynn, mais il y a quand même une drôle d'odeur dans ce studio. C'est normal, je vous ai ramené un maroilles, parce que mon Dany Boone et mon cadre, je les trouve un peu maigrichons. Vous devriez prendre exemple sur Yves Calvi, regardez comme il a des bonnes joues. Bon ben merci Lynn, on va le donner à Cyril Lignac qui va nous faire une petite tarte. Surtout pas, il va mettre du curry dedans. Je reconnais ce toucher de piano inimitable, c'est celui de notre ami André Manoukian. Oui, on se préparait, Kad. Bonjour André. Bonjour. Alors salut à toi, j'étais chez le toiletteur en train de me faire un débroussaillage du maillot pour l'été. Et j'ai entendu que vous receviez Dany et Kad. Alors j'ai couru parce que tu sais que Kad Merad est aussi chanteur. Bien sûr. Tu connais Jean-Mi... Jean-Michel. Bah bien sûr, André, Michel. Tout le monde connaît les fameux Jean-Michel de Cadéo, par exemple Jean-Michel à peu près, Jean-Michel faute de frappe, et Jean-Michel sans col, le fils de Véronique Sanson et d'Harry Cole. Ah, ça c'est sûr.
Pussy Caillou. C'est pas moi, c'est pas moi. Pussy Caillou. D'avance, là. Pussy Caillou. Non, c'est Baron Noir maintenant. Pussy Caillou. Alors, tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi Cad, il se fait appeler Jean-Michel quelque chose quand il chante? Ben, je l'ignore, mais je suis sûr qu'il y a une histoire secrète derrière tout ça. En fait, Cad, son vrai nom, c'est Kadour Mamour Ben Topinambo à la bourre. Tu confirmes, Cad? Bien sûr, André. Oui, mais Cad, il en avait marre qu'on lui abrège son prénom, alors que comme pseudonyme de chanteur, il a pris un prénom qu'on ne peut pas couper. Jean-Michel. D'accord, ben voilà, tout s'explique. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ah tiens. Voilà Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday. Bah c'est, vous avez vraiment la voix de Johnny, hein, Jean-Baptiste, c'est étonnant. Ah bon? Pas que la voix de. Vous trouvez. Mais moi, j'y comprends rien du tout à votre histoire de Jean-Michel qui change tout le temps de nom quand il chante. Bah, c'est tout simple, Jean-Michel change de nom parce qu'à chaque fois c'est un Jean-Michel différent qui chante. Jean-Michel à moitié, Jean-Michel nul en playback, etc. Ah oui, j'ai compris. Oui. Alors on pourrait faire un duo Jean-Michel Cad et moi. Eh ben bien sûr. Volontiers Jean-Michel. Tiens, je vous propose un duo avec Jean-Michel, ça rime même pas. Ah oui, allez, d'accord. Jean-Michel, ça rime même pas. Oui, j'aime bien. 3, 4. Tournez le temps à l'orage. Revenir à l'état merde. Oh, qu'est-ce que je suis con, merde. Revenir à l'état parce d'avant. Parce que normalement, ça rime. Oui, je sais. Mais... Donc, si tu dis une rime... Je suis désolé, Jean-Baptiste. Ça coupe le gag parce que... Le truc, c'est qu'il faut que ça rime pas. Ah, c'est là, je suis désolé. C'est alors, on fait 3-4. Allez, je recommence. Tournez le temps à l'orage. Revenir à l'état d'avant. Forcer les portes, les barrages. Sortir le chat de sa caisse. Ah ben ça arrive pas. D'une étincelle. D'un rien, d'un poil. D'une étincelle. Et d'un mot d'excuse. Pour allumer le feu. Allumer le feu. Et faire danser les garçons et les filles. Allumer le feu. Oh la vache. Oh, merci. Merci d'être venu nous voir, les garçons. Bah, Danny Boone, camarade. La vie pour de vrai sort donc mercredi prochain, le 19 avril, au cinéma. Il sort pour de vrai. Et ouais. Je précise que des avant-premières auront lieu dimanche partout en France. Exactement. Et qu'on vous retrouve à la une de Paris Match cette semaine. Oui. Ah bon ? On est tellement fier de ça. Mais arrêtez, mais enfin, c'est pas possible. Vous avez des belles photos. Là, quoi. Vous savez d'où je viens ou pas ? Oui. Ben voilà, c'est tout. D'abord. Bon. Donc il y en a un qui nous attend depuis un bon bout de temps, c'est Julien. Ah non, 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 là c'est Pascal Pro, puisque je rappelle qu'il est midi et qu'il est grand temps maintenant de passer au débat du jour. Midi 6. Alors, est-ce que le film a bien bon, marché, puisque ça fait maintenant 4 mois qu'il est en salle? Est-ce qu'on a les chiffres? Ils sont excellents. Ah, ils sont excellents, oui. Mais je n'en doute pas une seconde. Bravo en excusez-moi, tout cas. Excusez-moi Julien, pardon, mais, Julien. Hey, alors là, voilà, j'ai mon volet de piscine. Là. Allons-y. Est-ce que j'ai pris une entreprise. Oui. Bon, on en parlera après. Parce que j'ai un problème. Mon frère a acheté une voiture, il y a un problème de carburateur. C'est un peu mon drame, Cad. Il s'en est rendu compte après. La différence entre vous et moi, c'est que quand vous, une fille, vous croise, hein, vous êtes acteur, comment puis-je faire pour devenir comédienne? Moi, on me dit, j'ai mon volet de piscine qui ne ferme pas. Voilà. C'est moins facile pour moi. Mais chacun sais. Sa croix. Allez, et je vous le dis, un gros MERDE, hein, vous le savez. Bonne émission. C'est parti, on y va.